Là, ils sont dans dans la piscine, là, Guillaume. C'est beau, hein. Eh bien, bonjour, bienvenue dans le Morbihan, en Bretagne. Nous sommes ici à Quiberon, sur la côte sauvage. C'est un endroit absolument magique, magnifique, avec des rochers qui se prêtent particulièrement bien à cette technique de pêche au toc en mer. Donc nous sommes venus avec Lionel pour essayer de traquer le sar avec des appâts tels que la moule ou la gambasse, qu'on vous montrera un petit peu plus tard la manière dont on les prépare. Donc voici un poste idéal pour la technique de pêche que l'on pratique, qui consiste en fait à présenter un appât de la manière la plus naturelle possible, avec un montage extrêmement léger. On pêche avec une toute petite chevrotine et on fait évoluer notre appât dans les veines de courant, entre les rochers. Là, comme on peut constater, on a beaucoup de moules sur les rochers, donc on va pêcher à la moule. Et on peut espérer ici trouver évidemment en grosse majorité des sparidés. Et on peut aussi également dans le blanc trouver des barres ou des prédateurs qui évoluent autour des rochers pour chercher les petits poissons ou même manger des crustacés et des moules. Donc on va prendre une moule qu'on a préparée avec une poudre à appât. Alors qu'est-ce qu'une poudre à appât? Bien, c'est encore un produit révolutionnaire qui nous vient des Japonais. Il s'agit d'une poudre qui déshydrate les appâts sans les cuire et qui rend la chair extrêmement ferme. Donc comme on va pouvoir le voir, on peut planter un hameçon aisément dans la moule. On voit que ça tient très bien. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec une moule traditionnelle, enfin une moule crue. Je peux ajuster en fait le poids de ma ligne avec le poids des moules. C'est-à-dire qu'au lieu de rajouter une chevrotine, je mets plus volontiers deux moules, ce qui va me faire une grosse bouchée, en espérant bien sûr prendre un plus gros poisson. Donc voilà mon appât. Montage très, très léger, mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Donc on a cette première zone entre deux rochers là, avec un petit goulet, avec une zone de calme où là les poissons peuvent se positionner pour attendre de la nourriture. On a également là, on voit un petit rocher se découvrir au fur et à mesure que la marée descend. On voit ce petit rocher, un autre rocher entre, on peut imaginer qu'il se forme un petit courant avec une zone de calme ici dans le blanc. Moi ça m'inspire beaucoup ici. On va commencer par pêcher par là. Je vais lancer précisément entre les deux rochers. Voilà. Donc là, je donne un petit peu de mou, histoire que la moule prenne de la profondeur. Je prends contact, je suis la descente de mon appât. Là, je suis arrivé. Je prends toujours contact et je suis l'évolution de mon appât avec la bannière. Il y a le vent qui me tend légèrement la bannière, ce qui est parfait pour la progression de l'appât dans l'eau. Donc là, je vois que l'appât progresse bien. Mon appât est parti d'entre les deux rochers. La mer le rapproche petit à petit et l'amène exactement où je veux pêcher, à savoir dans le trou, dans la zone de calme. Donc encore une fois, il faut essayer de présenter l'appât le plus naturellement possible. Il faut jouer du courant, utiliser le courant. Bon là, je suis trop près. Utiliser le courant pour qu'il présente notre appât de la manière la plus naturelle possible. Le fait d'ouvrir le pick-up et de laisser la bannière tout de suite, ça permet à l'appât de prendre sa profondeur immédiatement avant que le ressac des vagues entraîne la bannière et me le rapproche trop vite. Là, j'ai une petite touche. Poisson! Yes! Alors, premier poisson. Donc, c'est un petit bar. Un petit bar qui était dans le blanc, qui a mordu à la moule. Donc là, je suis un petit peu fin, donc je vais pas le brider de trop. Hop. J'ai le salabre un peu loin. Allez. Ouais, tu vas me chercher le salabre, bien? Ouais, j'arrive. En visuel, c'est mieux. Hop. On se sert des vagues pour remonter le poisson.
Yes, attention à toi. Voilà. Ah, c'est un bas. Yes. Yes. Bon, ben voilà, il est venu. Ouh là. Yes. Il est là. Yeah. Allez, premier poisson, un petit bar qui est venu sur la moule. Entre deux eaux. On va être piqué vraiment au bord des lèvres. Alors, il est fréquent de prendre des petits bars avec cette technique, bah, tout simplement parce qu'on pêche dans le blanc. Donc présenter un appât dans le ressac et dans le bouillon, bah, c'est toujours intéressant pour tout type de sparidier, mais également les prédateurs qui chassent dans la vague. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais le remettre avec l'épuisette. Parce que sinon on va le blesser. Hop. Allez. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que c'est bien évidemment une pêche itinérante, donc on prospecte un petit peu de partout. La moule qui est imprégnée d'acide aminé diffuse très vite. Donc normalement s'il y a un poisson, on n'attend pas très longtemps, la touche se fait rapidement. Bon, il faut connaître un petit peu les postes, hein. Faut aller chercher les trous à ça, les trous à sparidés. Là où le poisson se positionne, là je suis vraiment dans l'inconnu, je prospecte complètement, donc j'essaye d'aller rapidement. Je vais sur les postes qui me parlent. Maintenant si j'ai pas de touche au bout de 2-3 lancers, bah, je change. Alors ça ne veut pas dire que le poisson n'est pas bon, ça veut dire que aussi le poisson en fonction de la marée, bah, évidemment se positionne à des endroits différents. Il change aussi son comportement alimentaire, ça j'ai pu m'apercevoir que en fonction de la marée, si elle descend ou si elle baisse, les sparidés n'ont pas du tout le même comportement. Il y a un moment où ils mangent en pleine eau, où ils ont un comportement grégaire, et à d'autres moments où ils sont beaucoup plus solitaires, généralement durant ces moments-là, ils sont dans les trous. Donc là, il faisait une prospection plus à la plomb sous la canne. On va chercher les cavités. Pour imaginer, on s'imagine facilement que les vagues frappent sur les rochers, décrochent les moules. La moule tombe du rocher, part dans le courant, et c'est là que le poisson se positionne pour s'alimenter. Donc on essaie évidemment de reproduire un petit peu une scène naturelle. On va pas tarder à changer de spot. Il n'y a plus assez d'eau, ça descend pas mal. Ça ouais, descend okay. Assez vite là. Ok, ça marche. Yo. On va s'exposer un peu plus à la houle comme ça. Ouais. Bon, et bien maintenant je vais vous parler un petit peu du matériel pour pratiquer l'iso fishing, qui est un iso fishing revisité pour les techniques françaises. Alors tout d'abord, il faut être très clair, cette technique peut très bien se pratiquer dans un premier temps avec une canne anglaise un peu puissante, ou alors une canne feeder également un peu puissante, d'une longueur comprise entre 3 mètres et 3,90 m. Ça c'est important de le savoir parce que bon, on peut très bien tester cette technique dans un premier temps avec le matériel que l'on a, et puis tout doucement glisser justement sur du matériel de plus en plus adapté. Alors justement, quel est le type de matériel adapté à cette technique? Si on s'en réfère à l'iso fishing japonais, les cannes qu'ils utilisent sont des cannes qui sont comprises entre 5,20 m et 5,40 m, sont des cannes qui ont des actions très paraboliques, mais qui peuvent à un certain moment occasionner un certain nombre de contraintes parce qu'elles elles offrent une grande prise au vent avec une grande bannière. Et comme nous pratiquons en France cette pêche plutôt dans des conditions plutôt fortes avec un vent assez soutenu, eh bien je me suis aperçu que des cannes plutôt longues n'apportaient pas un gros avantage, alors qu'au Japon ils pratiquent l'iso fishing beaucoup quand la mer est calme et quand le vent est absent, ce qui explique donc l'utilisation de cannes de 5,20 m, 5,40 m.
Alors pour pratiquer l'ISO fishing en France, en Atlantique ou en Méditerranée, nous avons travaillé avec notre fabricant asiatique sur la base d'un blanc de canne ISO fishing. Nous avons cherché à la réduire, c'est-à-dire que là on a obtenu une canne longue de 3 mètres pour pouvoir récupérer un petit peu de puissance et en même temps perdre cette prise au vent qu'on a avec une canne en 5,20 m et 5,40 m. Cette canne est fortement intéressante et on a mis vraiment pas mal de temps à la finaliser. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir pratiquer la pêche aux appâts naturels en mer du bord, il y a plusieurs critères, plusieurs caractéristiques qui est très important de respecter et qui sont essentielles pour la bonne maîtrise de cette pêche. Le premier critère, c'est la propulsion de l'appât. Déjà, il faut savoir que, bon, on en parlera tout à l'heure, les appâts sont très petits ou généralement il s'agit de moules ou alors de calamars, de morceaux de calamars ou également de petits bouts de sardines ou de gambas. Donc on a un poids plus relativement léger, bon, sur lequel on va rajouter une petite chevrotine, mais le tout va de toute façon ne pas être très très lourd. Donc à propulser, ça va être à un certain moment compliqué avec une canne standard face au vent ou alors avec un vent contraire de pouvoir propulser un petit peu plus loin. Donc cette canne est un véritable ressort, elle permet de propulser donc cet ensemble de chevrotine et d'appât très loin. L'autre raison pour laquelle cette canne a une action tout à fait caractéristique, c'est en action de pêche. Qu'est-ce qui se passe en action de pêche? Une fois qu'on a propulsé l'appât, qu'on présente l'appât dans l'eau, eh bien on va pouvoir accompagner la ligne dans l'eau et suivre le comportement et l'évolution de l'appât dans la veine de courant. Que se passe-t-il quand un poisson absorbe l'appât? Eh bien, la canne, on va pouvoir avoir un repère visuel sur la canne. C'est pour ça que la canne finale aura un bout de sion rouge. Le poisson va absorber l'appât sans sentir la moindre résistance. Donc le pêcheur va pouvoir suivre et comprendre qu'il y a un poisson qui a absorbé l'appât et qu'il y a donc une touche, car généralement lorsqu'on sent la touche, c'est souvent trop tard. Donc là, ça nous permet d'anticiper sur la touche et de pouvoir voir le sion se plier. Lorsque le sion se plie, eh bien là, fait rage, et là, on voit tout de suite que la canne travaille sur son deuxième tiers, le deuxième tiers du sion. L'autre particularité, la raison pour laquelle on a utilisé un blanc de canne ISO fishing, eh bien c'est que l'épaisseur du carbone est énorme. C'est-à-dire que ce sont des cannes qui sont, malgré leur apparence, donc très fines, qui ont l'air très fines et très, très légères. Elle est effectivement très légère, mais elle est surtout extrêmement puissante. Voilà une canne qui est capable de combattre un poisson de 3, 4, 5 kg sans problème, et au contraire qui s'avérera redoutable sur un combat, parce qu'elle va accompagner le poisson, ses rushs, sans jamais risquer de décrocher le poisson, et on va pouvoir l'amener à l'épuisette. Cette canne est également équipée d'anneaux Fuji sur toute sa longueur, avec beaucoup d'anneaux Fuji. Pourquoi ? C'est pour pouvoir accompagner le mieux possible le fil au lancer et en même temps pour optimiser sa résonance. C'est-à-dire qu'on va, en pêchant, on va devoir sentir le courant qui prend l'appât ou alors une vague qui va mal positionner l'appât. On va pouvoir suivre régulièrement et sentir notre appât. Les anneaux Fuji, c'est également important pour la glisse, si on utilise de la tresse ou du monofilament, de pouvoir propulser, gagner un petit peu en distance, des fois 1, 2, 3, 4 mètres, et bien ça peut suffire à faire la différence. Pour ce qui est du moulinet, ben là je recommande une taille 2000 ou 2005 jusqu'à 3000, là il s'agit d'un 3000. Ce qui est important, c'est d'avoir un moulinet léger qui a une contenance de 100 mètres, entre 100 et 150 mètres de 26 centièmes, pour une taille 3000. Je voudrais revenir également sur l'utilisation du monofilament et de la tresse. Alors, dans quelles conditions on va utiliser du monofilament et dans quelles conditions on va utiliser la tresse? C'est un petit peu le côté très excitant de cette technique, c'est que à chaque condition, son adaptation. C'est-à-dire qu'à certains moments, selon la marée, selon le vent, selon le courant, on va opter davantage pour du monofilament, pour rechercher sa souplesse, pour rechercher sa tenue dans le courant.
Et puis à un autre moment, sur des conditions un peu plus fortes, un peu plus sévères, on va vouloir pêcher davantage les trous, moins chercher les courants. Et bien là, on va utiliser de la tresse. Ça, on s'en ressent sur l'utilisation du grammage, sur le bas de ligne, sur même l'hameçon. En parlant de bas de ligne, bien là, par exemple, j'ai un corps de ligne qui est de 26 centièmes et mon fluorocarbone également en 26 centièmes. Je trouve que c'est une parfaite combinaison. C'est un montage standard pour accéder, pour arriver sur des endroits que l'on ne connaît pas toujours. Bon, ça permet de faire face à de belles pièces. Il ne faut pas trop baisser en diamètre en termes de bas de ligne parce que on a beaucoup de casse. On va voir, j'espère, tout à l'heure que c'est une pêche qui nous donne beaucoup de sensations et qui nous permet de prendre beaucoup de poissons. Et on a souvent de très belles surprises. Donc, pas diminuer le diamètre du fluorocarbone, ça sert à rien. Si ce n'est qu'à laisser un hameçon dans la gueule du poisson. Et ça, bon, c'est pas trop recommandé. Le montage, quant à lui, est très simple. Il s'agit d'un bas de ligne compris entre 1 mètre, 1 mètre 50 et 2 mètres, avec tout simplement un hameçon. Un hameçon qui peut varier du numéro 4 jusqu'au numéro 2-0. Alors, j'utilise des hameçons à palette, Black Nickel, Chinou, de la marque Black King Kong. Moi, j'aime beaucoup cette marque parce que les hameçons sont très, très piquants et très pénétrants. Alors ici, j'utilise un hameçon à palette, mais on peut également utiliser des hameçons à œillet, toujours de l'hameçon du 10, du 8, du 6, du 4 ou du numéro 2. Quant à la suite du montage, eh bien, vous allez voir, c'est pas bien bien compliqué. Effectivement, il faut s'adapter en fonction du courant et de la profondeur. Voilà, j'ai ma petite boîte de chevrotine qui se trouve ici, par exemple en 1,8 g. Eh bien, je prends ma chevrotine en 1,8 g. Et puis, je positionne ma chevrotine juste au-dessus de l'hameçon. Donc là, voilà. Donc là, c'est juste pour démarrer. Bien évidemment, vous comprendrez qu'en fonction du courant et de la profondeur et du positionnement que l'on veut donner à son appât, eh bien, on va rajouter une chevrotine, un grammage, ou alors en retirer et diminuer pour pouvoir présenter l'appât de la manière la plus naturelle possible et au niveau que l'on souhaite. Voilà, le montage est prêt. Ben maintenant, il est temps d'y aller. On y va. Bon, là, on arrive sur un nouveau poste, également intéressant. Donc là, plus profond, la mer, on a un vent de sud, donc on l'a de face. La mer vient frapper devant nous, donc là, ça fait un blanc qui peut être intéressant puisque la mer vient frapper dans les rochers et décoller les moules, et c'est là que les sparidés viennent se nourrir. Donc là, on est toujours en descendante et on va voir un petit peu ce que ça donne. On essaye de suivre la bannière, d'aller au rythme des vagues. C'est une première phase de prospection. Le grammage est correct puisqu'on n'accroche pas. La vague arrive à bien entraîner l'appât. Donc on va pêcher un petit peu comme ça. Et après on va adapter notre grammage au fur et à mesure. Le montage, on peut voir qu'on passe bien. Donc on peut rajouter, on peut ouvrir le pick-up et redonner un peu plus de bannière pour que l'appât évolue un peu plus loin. Là, il est pris dans une veine de courant. Poisson. Poisson, voilà, poisson pour Lionel. Donc là, on ramène. Ah non, c'est petit poisson. T'as besoin du salabre ou pas? Non, je vais le dropper. Et moi, je me suis fait... C'est un bar encore, Lionel, c'est dingue ça. Ah, les barres sont sorties. Ça lave ou pas? Ça va le faire. Ah, décidément, encore un bar. Aujourd'hui, ça a l'air d'être la journée des bars. Il est venu sur la moule, encore une fois. Par contre, là, il a pas mal engamé. Là. Hop, viens là. Du coup, l'idéal, c'est vraiment de... Ce qu'il faut faire, c'est pas d'aller chercher l'hameçon.
C'est vraiment de couper au ras de la gueule et puis on va s'en débarrasser naturellement. Voilà. Filet est coupé, c'est reparti. Voilà. Il y a quelque chose de très important pour la sécurité, c'est de tourner le moins possible le dos à la mer. Ça, faut, poisson. Il y a poisson là. Il y a poisson en direct. Voilà. Et ça. Ah là, je pense que c'est plus je le combat d'un c'est du sar, hein. Je pense, ouais. Regarde la houle, quand même. Regarde la mer, jette un coup d'œil. Ouais, c'est un sar. C'est un sar. Un sar, c'est le premier sar. Hop. Attention à toi. Hop. Là, c'est assez sportif, par contre, celui qui a l'épuisette. Voilà. Yes. Et important avec l'épuisette, jamais remonter l'épuisette perpendiculaire au sol. La lever comme ouais. Ceci. Autrement, ça tiendra pas. Voilà notre premier sar. Donc, ça, c'est un poisson qui doit faire dans les 500 grammes, 600 grammes. Ouais, 600 grammes. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus gros ici, mais enfin, bon, c'est déjà plaisant. Vous voyez, on arrive au bout de 5 minutes et ça, c'est récurrent. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on fait du poisson. Donc là, Lionel a fait un petit bar en arrivant. Dans la foulée, moi, j'ai une touche de sar. C'est récurrent dans cette technique. Les acides aminés en fait, de la moule font immédiatement effet. Si le poisson est en poste, si le poisson mange, les touches sont immédiates. C'est aussi la raison pour laquelle, sur un poste, on n'insiste pas trop longtemps parce que bon, par expérience, on sait que si on n'a pas des touches dans le quart d'heure qui suit, c'est que c'est pas le bon moment, le poisson n'est pas en mode alimentation et il faut vite pouvoir changer de poste et trouver le poisson. Voilà. Allez, on va continuer. Voilà, là, la présentation de l'appât est parfaite, la bannière est parfaite, donc je l'accompagne légèrement au rythme des vagues. Donc en fait, j'accompagne ma bannière, je soulève, là je baisse quand elle se tend, et je soulève quand elle se détend. Et si je vois que je suis trop tendu, j'ouvre le pick-up pour récupérer de la bannière. En fait, il faut toujours être très, très attentif à la présentation de l'appât, puisque comme la mer bouge, descend ou monte, et que les courants l'entraînent au large ou ramènent sur le bord, et bien il faut toujours compenser, soit en rajoutant, soit en donnant de la bannière, soit en récupérant, et avoir un contrôle continu. Ah, là, il y a une petite touche, contrôle continu de notre appât. Oups, de nouveau touche. Poisson, allez, c'est bien. Ah, décroché. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça, c'est magnifique. Poisson est là. Poisson, il est là de chez là. Je sais plus si j'avais mis une ou deux moules. Je vais remettre un peu plus lourd. Ça prenne vite le fond. Enfin, plus lourd, je vais mettre deux appâts. Jouer sur le poids des appâts. Donc je plie ma moule. Alors je reste persuadé, on en reparlera tout à l'heure, je reste persuadé que la poudre qui me permet d'obtenir des moules comme ceci qui tiennent très très bien à l'hameçon joue un effet primordial dans cette pêche, puisqu'avec une moule classique ou un autre appât, on n'arriverait pas à le faire tenir comme ça sur l'appât. Ça joue aussi un rôle d'amorce, puisque une fois que toute cette poudre que l'on voit en surface, une fois qu'on la qu'on le jette dans l'eau, la moule s'imprègne de l'eau, diffuse les acides aminés et cette poudre et retrouve son aspect naturel. Donc les acides aminés font leur effet,
travaille sur une périphérie que les Japonais estiment à environ 80-100 mètres, donc ça peut être considérable, hein. 100 mètres en périphérie, 100 mètres en diagonale et 10 mètres en profondeur. Donc sur une zone, sur la zone ici, on peut espérer que tous les poissons environnants ont perçu les acides aminés et les effluves de cette moule, d'où l'efficacité rapide de l'appât. Allez, on retente, on relance. T'as vu les orphies qui chassent, Guillaume là? Ouais. Ça saute là. Allez, ça donne les acides aminés là. Ouais, à mon avis, ça... Qui les excite un petit peu? Ouais, ça a énervé tout le monde, ouais. Ah, c'est magique. Il y a du poisson là. Incroyable. Je suis quand même assez tenté d'essayer un peu plus lourd pour voir, parce que ça a l'air... Ça a l'air assez profond, mais enfin bon, le sar on l'a pris en descendant, donc ils doivent être quand même entre deux eaux. Donc encore une fois, le constat, on est à la descendante, bientôt à l'étal, et le poisson se nourrit entre deux eaux. Parce que là, j'étais pas à fond, d'ailleurs on le voit encore que le montage évolue vraiment entre deux eaux ou alors juste au-dessus du fond, mais certainement pas dans les trous ou à racler le fond. Et généralement, le constat moi, que j'ai pu faire, c'est quand il s'alimente dans ces conditions, là j'ai eu une petite touche. Quand il s'alimente dans ces conditions, là il est en poisson. Donc là j'ai vu, là c'est joli. Hop. Oh super. C'est encore un sar. Super. Donc là il s'est. Moi il aussi, l'a vraiment doublé, pris. Doublé. Doublé, bien. Hop. C'est magique. Alors on c'est a du doublé, donc ce qui va faire, c'est pour ça qu'il faut rester toujours avec les épuisettes. Une veille, moi. C'est une veille? Ouais, ouais. Et c'est quand même sympathique. Voilà, moi c'est un sar. Non. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une. C'est une grise. Question Guillaume, c'est arrivé. Une grise. Hop. C'est une grise. Hop. Hop. Ouais, c'est une grise. Je crois qu'elle est rentrée direct dedans. Voilà, nickel. Merci Lionel. Donc là, on voit. C'est fantastique parce qu'on a... Attends, hop, je t'aide. Donc voilà, là encore une scène qu'on y reviendra. Il y a un danger quand même à pêcher dans ces conditions. Toujours surveiller la mer, l'état de la mer. Donc là, moi je vais laisser le poisson ici, je reprends l'épuisette. Donc là, toujours assurer ses prises. Attends, je la laisse repartir. Voilà. Alors c'est assez sympa parce que là on voit la diversité. C'est cool, yes. Merci. Un de plus. Yes. Un de plus. Allez, tiens. Bah, je te laisse ta vieille, moi je vais retourner à ma grise. Hop. Je vais me mettre un peu en sécu le temps de tirer l'hameçon. Voilà, donc là on a pris une grise, une petite dorade grise, un griset, toujours entre deux eaux. C'est l'énorme avantage de cette technique, c'est qu'on prend beaucoup de variétés de sparidés. Lionel a pris une vieille. Là donc une petite grise, probablement que le banc se trouve sur la zone, donc on va se remettre vite en pêche. Celle-là on va la relâcher et c'est reparti. Hop. Le mérou breton comme on dit, par ici. Joli petit coup de ligne. Alors pour la préparation des appâts, bah bien évidemment je vous recommande tout ce qui est morceaux de gambas, moule, morceaux de calamar ou alors tout autre appât naturel. J'ai aussi une petite astuce à vous indiquer, il s'agit des poudres qui nous viennent du Japon, qui sont des poudres à appât pour la préparation des appâts. Par exemple, pour la moule, qui a une chair très fragile et qui reste un appât vraiment de référence pour la pêche des sparidés, eh bien on a la possibilité de les rendre plus denses grâce à cette poudre. En effet, cette poudre
va déshydrater les moules, rendre la chair beaucoup plus dense, et en se déshydratant, la chair va absorber les acides aminés. Ces acides aminés qui vont être contenus par donc l'appât naturel va diffuser dans l'eau et attirer bien évidemment les poissons. Alors comment préparer les appâts ? Eh bien, enfin les moules, je vais prendre la poudre Shio Ebiko, qui est une poudre à appât à base de krill et qui va jouer un rôle déterminant sur la préparation de mes appâts pour demain ou après-demain. Alors tout d'abord, vous décortiquez vos moules crues. Donc rapidement, comment décortiquer une moule. Alors, hop. Voilà. Vous retirez la chair délicatement de sa coquille. Voilà. Et ensuite, vous essayez de bien couper le muscle de chaque côté. Et voilà, vous obtenez une chair comme ceci. Donc là, la deuxième étape consiste à les faire un petit peu égoutter dans un égouttoir. Et une fois que vous avez toutes vos moules de préparer, on passe à la troisième étape, à savoir la préparation de la poudre. La poudre, pour commencer, vous prenez quelques feuilles de papier absorbant que vous pliez plusieurs fois, comme ceci. Bon, là, j'ai une petite bassine. Donc, vous faites tout simplement un lit de papier absorbant dans la bassine. Une fois que vous avez disposé ce papier absorbant, vous prenez votre poudre. C'est un sachet qui se referme. Donc voilà notre poudre. Vous disposez légèrement la poudre sur le fond. Et après, vous disposez une à une vos moules dans la poudre. Une fois que vous avez disposé tous vos appâts naturels, ici les moules, sur toute la surface du papier absorbant, vous refaites à nouveau la première démarche, à savoir recouvrir de poudre vos moules, et à nouveau du papier absorbant sur votre préparation. Voilà, c'est fait. Une fois que vous avez obtenu cette préparation, vous le mettez 24 heures au frigo. Au bout de ces 24 heures, vous allez obtenir, je vous ai ramené des moules que j'avais déjà préparés, vous allez obtenir vos appâts comme ceci, c'est-à-dire qu'ils sont prêts soit à être mis au congélateur, soit tout simplement aller à la pêche. Alors évidemment, là, on l'a fait avec des moules. Cette préparation d'appât ne concerne pas uniquement, bien sûr, la pêche de l'isofishing. On peut l'utiliser pour pêcher en surfcasting. Et comme appât, on peut utiliser tout type de coquillage, comme les couteaux, les huîtres ou tout autre coquillage. Voilà, c'est prêt. On va mettre la préparation au frigo. Et demain, on sera prêt pour aller à la pêche. Poisson. Allez, Jo, c'est bien impeccable. Putain, tu l'as pris loin. Hein. Ouais, c'est un steak. Ouf. Ouais, ah, Jo. Oh, c'est pas vilain. Ouais, ça y est. Yes.
En voilà le premier poisson de la matinée. Bossard. Tu l'as profond, non? Ouais, plutôt... entre deux eaux, plutôt sur le planant. Plutôt sur le planant. Voilà, commence à faire un poisson correct. Bah, c'est un poisson qui s'approche du kilo. C'est assez impressionnant parce que nous qui pêchons régulièrement en Méditerranée, ça commence à être des très très beaux poissons en Méditerranée. Et ici, c'est des petits poissons parce qu'on a pris des poissons en Bretagne qui allaient jusqu'à 2,5 kg, 2,7 kg. Donc on va s'y remettre et puis on va essayer de prendre fiche, un peu plus fiche. Gros. Hop, poisson, encore un nouveau poisson. Bon ben je pêcherai plus tard moi hein, parce que là les poissons s'enchaînent. Alors, je le vois. Alors là-bas, oh, c'est magnifique, c'est superbe. Encore un bossard. Attends, je vais me descendre un petit peu. Pour accéder aux falaises. Il est en train de chercher le fond. Il cherche le fond. Il sonde, ouais. Tu auras juste besoin de me le monter un peu. Attention à l'eau quand même. Ouais, ouais, c'est bon, ça va. Hop. Hop, allez. Bien encore joué, un beau poisson. Super. Encore un peu plus joli. Hop. Ah, là, voilà, ça c'est un poisson qui dépasse le kilo. Ça commence bien, c'est super. Bravo Nico. Tiens, je te donne ton poisson. Merci. Eh ben, on va rejoindre Johan. Bah, c'est impeccable, hein. En 5 minutes, on vient d'arriver. On vient d'arriver. En 5 minutes, bah, deux beaux poissons. On va faire une petite photo, tous les trois. Hein, voilà, 5 minutes de pêche avec cette technique et nos moules préparées hier soir. Voilà ce que ça donne, des poissons autour du kilo. En tout cas, on est très contents. Et on va enchaîner. Moi, je vais aller pêcher un petit peu parce que là, ça fait 5 minutes que je passe à épuister vos poissons. C'est parti, en tout cas, bravo. Allez, on enchaîne. Allez. Au fond et les espèces, celles qui hantent les fonds, pour faire la bouillabaisse et la soupe de poisson. On connaît les sarlis, girelles, patacli, et pogue ravelle. Fiche, on s'est parti. Allez, bon coin. Il est en train de partir. Allez, je t'arrive. Décidément, vous voulez pas me laisser pêcher, les gars. Allez, j'arrive. Il est en train de me mettre quelque chose. Ouais. Hop, là. Sur toute la côte. C'est parti. Yes, bien joué. Côté pêche, on se dépêche. Quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche. Insolite, allez, la bonne ici est en. Je vais pas te la raconter. Les petits temps. Ah voilà, c'est ça qui me plaît dans cette technique. C'est la possibilité de prendre des poissons de taille vraiment raisonnable avec une canne fine, un montage fin. Voilà, ça c'est du vrai plaisir. Voilà, un petit poisson, un petit sar. Merci Johan. Voilà, la nécessité d'être très concentré sur la présentation de l'appât et sur la touche, c'est de pouvoir le piquer vraiment sur le bord du palais, pour pouvoir le décrocher facilement, pour pas trop l'abîmer, et pouvoir le remettre rapidement à l'eau, dans de bonnes conditions. Allez, c'est parti. Là, il y a du lourd. Est-ce que touche ? Jamais tout de suite. Côté pêche, on se dépêche. Quand ça pique de remonter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche. Insolite, la bonite ici est en. Voilà, celui-là a bien combattu. Hein. Il m'a fait une touche très violente. Voilà, très très beau poisson. Une très belle robe. Alors évidemment, en pêchant dans les rochers, bah évidemment, poisson est dans son élément. Hein, donc il arrive qu'il se cache entre deux rochers. Et là, c'est pas toujours évident de le sortir. Ce qu'il faut, c'est s'armer de patience, attendre qu'il ressorte de son trou. Magnifique poisson. Allez, c'est parti. Et la soupe de poisson, on connaît
les sarlis, girelles, patacli, et bogue ravel. On connaît les bons coins, se pourri jeter le plomb, levé tout le matin, plutôt que tout le patron. Va caler les palingotes, va caler sur toute la côte. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, va pas la mèche, insolite la bonne ici et ton. J'ai pas de la raconter, les petits temps. Ah, magnifique. Ça, c'est l'inconvénient de pêcher tout seul, c'est... Donc là, il faut savoir jouer avec la marée. Tiens, c'est un papaord. Il est costaud celui-là. Il est costaud de chez costaud. Oh, il est beau en plus. Les fielas et tous ceux qui passent, la mer a de l'avance, on n'en voit jamais le bout. Yes, super, super. Ah, je suis trop. Moi, voilà, voilà un beau poisson. C'est le la taille recherchée. Hein, ça commence à faire déjà une belle pièce. On a vu. Le combat, magnifique, il s'est bien battu Johan là sur ce coup-là. Il aurait été préférable qu'il y ait un deuxième avec lui parce que là bon c'est quand même pas évident. Mais il le mérite d'autant plus ce poisson qu'il était tout seul avec les puisettes. Bravo, vraiment bravo, superbe, magnifique, magnifique, superbe. Regardez un peu ses dents. Là on voit tout de suite qu'ils ont vraiment pas de mal à déchiqueter, à écraser les moules. Magnifique poisson, allez. On va le garder celui-là, hein. On va se le cuisiner au four, on va l'apprécier. Super. Allez, c'est parti, on enchaîne. Oh, c'est un petit haut. C'est un bar. Pour la Méditerranée. Avec les loups, on connaît les belles rascasses, les fielas et tous ceux qui passent. La mer a de l'avance, on n'en voit jamais le bout. On garde la cadence tant que la chance est avec nous. On connaît pas nos limites, agacés. Jamais tout de suite. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, va pas la mèche, insolite la bonite ici et ton. Je vais pas te la raconter, les petits temps font la Méditerranée.
fond, 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 les poissons. À fond, 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 les poissons. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche, insolite la bonne d'ici le temps. Je vais pas te la raconter. Les petits temps font la Méditerranée. Côté pêche, on se dépêche, quand ça pite de remonter le poisson. Côté pêche, van pas la mèche, insolite la bonite ici est donc. Je vais pas te la raconter. Les petits temps font la Méditerranée. Ici font, font, font les poissons. Un font, 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 font les poissons. Ainsi font, font, font les poissons. À fond, 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 fond les poissons. Et ben voilà, encore une belle session entre amis, une belle session de pêche avec plusieurs bossards. J'espère que la technique vous aura convaincu et puis je vous donne rendez-vous au bord de l'eau et en espérant que vous fassiez très vite de très beaux poissons également. À bientôt. Allez. Impeccable.